It's such a fucking roller coaster. Then the drop. Penses-tu vraiment avoir gagné? La peur te rend prévisible. J'ai le contrôle absolu. Comment je peux l'arrêter? Laisse-moi partir ou elle meurt. De quoi est-ce que tu parles? Barbara Gordon. Vous l'avez trouvé? Sortez d'ici, tout de suite! Du calme! Personne ne sait que je suis là. Quelle souffrance de perdre un membre de la famille en se sachant seul et irresponsable. Alfred. J'ai entendu ce que vous a dit ce fou, monsieur. J'essaie depuis un moment de contacter Mademoiselle Gordon, sans succès. Continuez d'essayer. Synthèse de l'agent neutralisant. Qu'est-ce que vous faites? C'est trop tard. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je sais. Je n'essaie pas de l'arrêter, mais je peux réduire le rayon de l'explosion. Et vous, que va-t-il vous arriver? Ça n'a pas d'importance. Trouvez-la, Alfred. Agent neutralisant déployé. Ces bonbonnes sont très instables. Je vais devoir me déplacer doucement et être très prudent. Monsieur, je vous en conjure, changez d'avis et évacuez maintenant. Si vous êtes pris dans l'explosion, vous mourrez. Il n'y a pas d'autre moyen, Alfred. Il y a toujours un autre moyen, s'il vous plaît. Thank you.
Agent neutralisant déployé. Rayon de l'explosion réduit de 25%. Où est-elle, Alfred? Je n'en ai aucune idée. C'est ma faute s'ils l'ont emmenée. Elle connaissait les risques, Maître Bruce. Elle s'en voudra autant que vous d'avoir permis que cela arrive. Monsieur, écoutez-moi. Vous ne voyez pas? C'est ce qu'il veut. Sans vous, Gotham sera à sa merci. Vous ne pouvez pas le laisser gagner. T'es manqué? Génial, je suis censé rentrer comment, au juste? Schéma vocal analysé. Identification confirmée. Bienvenue, commissaire Gordon. Incroyable.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Commissaire, Dieu soit loué, vous devez me faire sortir de là. Ils m'ont enfermé et ils m'ont fait subir des tests comme un rat de laboratoire. Hein ? Mais moi, j'ai rien fait de mal. Alors, je te manque déjà, mon bateau. Ah, c'est vous, commissaire Grognon. Qu'avez-vous fait de mon âme sœur? Si vous essayez de nous éloigner, je vous graverai un sourire si large que votre tête en tombera. Oh, 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 ne me dis rien. Ne me dis rien. Tu es le commissaire de police. Ils ont mis mon visage à la place du tien sur ce panneau, là-bas. Qu'est-ce que t'attends, le doyen ? Johnny C. ne prend pas les commandes. Qu'est-ce que tu veux, poulet ? Tu te pointes là et tu me fixes ? Tu crois pouvoir me mater ? Personne ne peut mater le Goliath. Content que vous soyez venu, Jim. Il faut que vous voyez ça. C'est quoi cet endroit? Qui sont tous ces gens? Avant de mourir, le Joker a envoyé son sang infecté à tous les hôpitaux de l'État. Je sais, on a tout récupéré. Presque tout. Comment? Des erreurs d'hôpitaux. Des transfusions absentes des registres. 5 personnes ont été touchées, non traitées. Le sang a contaminé leur système. Ça les transforme. Ils se changent. Joker... C'est pas vrai. C'est une forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Mais la médecine n'a jamais constaté une telle mutation. Et celui-là, alors? Il ne ressemble pas aux autres. Henry Adams. Il a été le premier infecté, mais sans symptômes. Immunisé contre le Joker. Robin pratique quelques tests pour en trouver la raison. Une chose est sûre, c'est Henry la clé de l'histoire. J'ai coopéré! J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé! Vous avez dit que ça ne prendrait que quelques jours! Vous ne pouvez pas le retenir contre son gré. On y est presque, Jim. On le relâchera quand on aura sauvé les autres. Attendez. Vous avez dit 5, je ne vois que 4. Où est le 5e ? Il sera bientôt là. Oh, ne sois pas si surpris, Batou. Tu savais que ça devait arriver tôt ou tard. Moi, enfoui au plus profond de toi. Ensemble, nous donnerons à cette ville ce qu'elle mérite. Un nouveau Batman. Un Batman supérieur, plus sombre, plus... Nous y reviendrons plus tard. Tout d'abord, on doit s'accorder sur certaines priorités. Bien sûr, tu as sauvé la ville en contenant l'explosion, mais il n'empêche qu'AS Chemicals est sur le point de sauter. Tu devrais penser un peu à toi. Après tout, tu crois du noir pour deux maintenant.
seulement on avait quelque chose d'assez puissant pour un chien. Non, je ne suis pas en train de parler de toi. Grosse bûche. Danger. Tout le personnel non essentiel doit évacuer immédiatement. C'est moi pour de vrai. Et non, tu ne peux pas me tuer à nouveau. Je vise le gros loup. Allez, mon vieux. Si on veut sortir de là, il va nous falloir une sacrée puissance moteur. Oh, Batou, tu m'as manqué. Toute la subtilité et la délicatesse d'un lavement au nasal. Dieu soit loué. Quand l'explosion... J'ai cru que vous étiez... Tout va bien, Alfred. J'ai pu contenir le souffle de l'explosion et empêcher la toxine de se répandre dans la ville. Mais qu'en est-il de l'épouvantail? Ou de ce chevalier d'Arkham? Ils ont des tanks, des missiles. Leurs forces ont envahi Gotham. Crane s'est enfui. J'ai été exposé à la toxine. Seigneur, vous allez bien? Vous vous rappelez ce qui s'est passé à l'asile? Ça va. J'ai eu une mauvaise réaction. Mais c'est fini. Je dois bien reconnaître que l'épouvantail m'impressionne. Je n'ai jamais été un grand amateur de ces préparations, mais celle-là... elle est enivrante. Elle accentue le moi qui est en toi. Monsieur, vous m'avez entendu? Le commissaire Gordon essaie de vous contacter. Merci, Alfred. Jim. Toujours là. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Il faut que je vous parle. D'accord, je vous écoute. Rejoignez-moi devant le centre de détention du GCPD. J'y serai bientôt. Alfred, analysez les forces de la milice. Les déploiements, les équipements, les déplacements. Je veux savoir ce que j'affronte. J'effectue une analyse complète des forces d'occupation et je vous fais vite un rapport, monsieur. De voir la tête qu'il va faire quand tu lui apprendras que sa fille a été enlevée. Et que c'est entièrement ta faute. Je dois y aller. Batman est là. Qu'est-ce qui ne va pas, Jim? Allez, vous me faites peur. C'est Barbara. Elle a été enlevée. Non, je lui ai parlé. Elle a dit qu'elle était partie. Il y a plusieurs heures de ça. Gardez votre calme. Nous allons la ramener. Si.
Qui a pris ma petite fille? L'épouvantail. Il l'a enlevée à la tour de l'horloge. On doit y aller. Il y aura peut-être un indice, quelque chose qui nous mènera jusqu'à... J'y vais. On reste en contact. Il faudra bien lui dire que c'est ta faute, tôt ou tard, Batou. Et ce qui est super, c'est que je serai aux premières loges quand tu le feras. Jim, il faut que vous restiez concentré. C'est dangereux là-dehors. Conduisez lentement et laissez-moi gérer en cas de problème. Comment j'ai pu laisser faire ça? Vous n'auriez jamais pu prévoir une chose pareille, Jim. C'est mon boulot de prévoir ce genre de choses. En tant que flic et en tant que père, tout s'est passé sous mes yeux. Droit devant, on a de la compagnie. C'est qui? La milice. Votre priorité est d'appréhender le commissaire Gordon. Je répète, votre priorité est d'appréhender le commissaire. Je le veux vivant. Ne laissez personne vous barrer la route. Arrangez-le. Ce salaud essaie de me sortir de la route. C'était les derniers. La voie est libre. C'est trop dangereux, Jim. Montez dans la Batmobile. Je vais nous emmener à la tour de l'horloge. Faites en sorte qu'on arrive en un seul morceau. On n'a plus beaucoup de temps. Monsieur, avant d'aller à la tour de l'horloge, j'ai pensé que vous voudriez entendre les résultats de l'analyse des forces du chevalier. Je vous écoute, Alfred. J'ai configuré le bat-ordinateur pour qu'il analyse la présence de la milice sur les trois îles et fournisse une représentation graphique de la force d'occupation de chaque zone. Comme vous pouvez le voir, l'occupation de Miagani Island est majeure, avec un grand nombre de drones au sol pour contrôler les routes. Founders Island est le bastion de la milice. Elle est protégée par des radars longue portée et un lance-missile. Je vous conseille de ne pas vous approcher avec la Batmobile pour le moment. Les unités de drones restantes sur Bleak Island ont été redéployées pour protéger la tour de l'horloge. Attendez-vous à une résistance considérable. Merci, Alfred. Je m'y rends tout de suite. Sergent ! Oui, chef ? On a perdu l'unité d'extraction ! Reprenez les drones de la tour de l'horloge ! Il arrive ! Je passe en contrôle manuel. Je l'arrêterai, chef ! Sors, Jim, la tour de l'horloge est ici. Je vais dégager la zone. Je vous préviendrai si vous êtes en... Touché.
contourner. J'apprends que tu encercle la tour de l'horloge, Jim. Restez dans la Batmobile. Je vous dirai quand la voie sera libre. Je ne vais pas rester assis là pendant que vous traquez ces salauds. S'il vous plaît, Jim. Barbara ne voudrait pas vous voir risquer votre vie. Je vous appelle à la minute où j'ai terminé. À la seconde. Ce serait dangereux d'entrer sans neutraliser la milice sur le toit de la tour de l'horloge. Quand il arrivera, on a intérêt à être prêt. Une seule seconde d'hésitation et on sera hors combat. Bon sang, ça c'est du flingue. Comment il peut se payer ça? La zone est sécurisée. Retrouvez-moi à la tour de l'horloge. Impressionnant. L'effet de surprise ne durera pas maintenant. Colin, c'est encore toi? Friandise! Ah, tu ne vas pas t'évanouir! Allez, un peu de nerf, que diable! Thank you.
soit rentré. Il va devenir fou devant toute cette pagaille. Rien de tel que se remémorer le bon vieux temps. Hein, Batou? Et nous voilà aux premières loges pour le grand spectacle. Tu crois pas que ce brave Jim Gordon en a assez bavé? D'abord, un jeune et beau maniaque esquinte sa fille. Et là, il culpabilise pour son enlèvement. Franchement, tu devrais lui dire que c'est ta faute, Batou. Je suis sûr qu'il comprendrait, c'est vrai. C'est pas comme s'il s'était fait refroidir. Enfin, ouais, pas encore. La nuit n'est pas finie. Jim va bientôt me rejoindre. Ça devra attendre. Jim va bientôt me rejoindre. Ça devra attendre. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas votre faute, Jim. Bien sûr que si. Crane a fait ça pour m'atteindre. J'aurais dû être là. Il faut que je vous montre quelque chose. Nous n'avons pas le temps. Elle n'est pas comme nous. Identité confirmée. Elle est forte, Jim. Plus forte que ce que vous croyez. Elle travaille pour vous? Tout ça, c'est de votre faute. Je la retrouverai. C'est ma famille! Ma fille! Elle est tout ce que j'ai! Je n'aurais jamais dû vous faire confiance. Jamais! Je vais me débrouiller seul. Laissez ma famille tranquille. Ça s'est pas si mal passé, en fin de compte. Oh, moi, j'aurais rien dit, mais ça fait partie du plaisir d'être moi. Et tu es loin d'avoir tout vu, Batou. Je dois savoir ce qui est arrivé à Barbara. Ils ont couvert leurs traces en désactivant les caméras de sécurité de la tour de l'horloge. Si je piratais le système de vidéosurveillance de la ville, je pourrais contrôler tous les points d'accès au bâtiment. Ça n'aide pas. Il faut que je trouve qui a enlevé Barbara et comment ils l'ont transportée. Non, ça ne marchera pas. Je dois trouver comment Barbara a été enlevée. On se concentre. Je dois trouver qui a enlevé Barbara et comment.
C'est le chevalier d'Arkham. Il tient Barbara. J'ai besoin de savoir dans quelle voiture il l'a emmenée. Là, c'est le véhicule dans lequel ils ont enlevé Barbara. Ce sont des pneus HammerTech des 60. Je peux programmer la Batmobile pour suivre leurs traces de pneus. Ça me mènera directement à eux. Fermeture de la tour de l'horloge. Autorisation, Batman. Tiens, une question me taraude. Comment l'épouvantail a pu s'en prendre à ta technicienne informatique? Moi, quand je lui ai tiré dessus, j'ignorais qu'elle roulait pour toi. C'était un coup de chance. Sérieusement, c'est la tête que je visais. Ah, si seulement j'avais eu un caméscope le jour où Barbara est tombée à mes pieds. Ah, ce pauvre Jim n'a eu droit qu'à un diaporama. Alfred, je veux le nom du chevalier d'Arkham. Moi aussi, Maître Bruce. Il n'a certainement pas choisi ce nom par hasard. Par où voulez-vous commencer? Arkham City. Consultez les dossiers de tous les détenus qui ont été libérés suite à la mort d'Hugo Strange. Et Alfred? Monsieur. Il savait pour Barbara. Activez les protocoles de sécurité de la Batcave. Ne relâchez pas votre attention. Je tiens en vague, Batman. Mais Gotham est une grande ville, et toute une armée nous sépare. Je suis prêt à te battre.
Alice vient de déployer un dispositif. Ça a creusé un sillon dans la route. Oui, je le vois. Des dispositifs similaires apparaissent dans toute la ville. Je mène l'enquête. C'est une bombe, Alfred. Et elle est bien protégée. Oh ciel. Dans ce cas, monsieur, ne devriez-vous pas vous éloigner de la zone? Je vais établir un lien à distance avec le bat-ordinateur et lui envoyer tous les virus en stock. Une fois qu'on sera passé, je pourrai accéder au noyau et le neutraliser avec une explosion contrôlée. Très bien, monsieur. Je dois cependant vous signaler que la milice a déjà déployé un peloton de tanks pour vous arrêter. Ils essaient. Monsieur, le téléchargement du virus a déstabilisé le dispositif. Si vous vous éloignez trop et perdez la connexion, tout sera rasé. Ils tentent de désamorcer le dispositif, comme vous l'aviez prévu. Les drones ont été déployés. On a besoin de ces drones, sergent. C'est notre moyen de dissuasion. Je sais, chef. Je vais l'écraser. Bon sang, le racleur a été touché. Batman a détruit un racleur. Charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Alfred, la piste du chevalier d'Arkham mène à Miagany Island. Abaissez le Mercy Bridge. Impossible, monsieur. C'est bloqué. La milice a dû réussir à s'infiltrer dans le système de contrôle des transports. Trouvez-moi leur point d'accès. Bien. Si je suis le trafic du réseau, il semblerait que tout soit redirigé vers... la gare de Grande Avenue. Alors c'est forcément là-bas. Je vais y aller à pied et prendre le contrôle de leur point d'accès. Je vous contacterai quand vous pourrez abaisser le pont. Prenez garde, monsieur. Les drones et les troupes de la milice quadrillent Miagany Island. Double Face veut se venger pour le tribunal. Batman va en baver.
Batman peut et va s'adapter. Restez vigilants, scrutez le ciel. Vraiment, Batou, qu'est-ce que c'est bon d'être de retour. Gotham n'était pas la même sans moi, pas vrai? L'épouvantail le plus gros caïd de la ville? Oh, pas pour longtemps. La milice du chevalier d'Arkham a envahi la gare. Je dois les neutraliser et trouver le point d'accès qu'ils utilisent pour pirater le réseau de transport. Une caméra volante, avec un taser. Cool, on en aura besoin. Tu crois qu'il va venir? Forcément. Le chevalier d'Arkham vient d'enlever son ami. Avec le drone, il nous prendra pas par surprise. Y a pas intérêt. Si Batman accède au terminal, je sais pas ce que l'épouvantail et le chevalier vont nous faire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'usine chimique a sauté, mais je vois pas de nuages de toxines de terreur. Batman est arrivé. Il s'est pointé, a massacré trois de nos unités, pratiquement capturé l'épouvantail et arrêté l'explosion. La vache. Alors il est aussi bon que le chevalier d'Arkham le dit. Oui, pas de doute. C'est impossible que Batman nous attaque ici. Faut qu'on se tire. Non, le chevalier d'Arkham. Les hommes du chevalier d'Arkham sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les ponts.
pas à Barbara de faire ça? Oh mince! Avec tout ce remue-ménage, j'avais oublié. Tu ne crois tout de même pas que ce vieux Jim passera l'éponge si tu la sauves? Il est rancunier, Batou. Tu peux me croire. Alfred, j'ai réactivé les commandes du pont. Formidable. Je relance immédiatement le réseau. Laisse tomber les épouvantails. Il était temps d'affronter ton vrai rival, Batman. Oh Seigneur, est-ce bien qui je crois? Enigma. Contactez-moi quand vous serez prêt avec le pont. Petite énigme. Pourquoi Batman visite un orphelinat abandonné? Eh dis mon chou, tu me confonds sûrement avec Robin. Monsieur le Barbaraki et moi, on n'est pas si proches. Oh, 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 je sais! C'est à cause de ce qui peut arriver à son ami Pipeline s'il n'arrive pas à venir ici. Choqué, chevalier noir, et étonné? N'y attendez pas! C'est parce que tu n'es pas de taille contre moi, Edouard Enigma, l'homme mystère. Ton supérieur intellectuel. Pensais-tu que j'oublierais notre dernière rencontre, chevalier noir? Tu m'as humilié! Cette fois, je sais que tu ne m'attraperas pas. C'est absolument impossible. Tu ne peux pas! J'ai déjà gagné! Je me moquerai des tentatives de résoudre mes casse-têtes. Je poserai triomphant sur ce cadavre tiède. Et alors que toute lueur s'y trompera dans ton petit esprit pétri, la leçon que je ferai infliger sera ta dernière pensée. Viens à l'orphelinat, détective. Où elle mourra.